Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia! Alléluia! Amen! Bonjour, je m'appelle Richard Bott et je suis le modérateur de l'Église Unie du Canada. C'est un jour de joie. C'est un jour de célébration. Le Christ est ressuscité. Avec Paul, nous croyons depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Dans un monde où la mort est présente tout le temps, où la guerre se passe quelque part tout le temps, où la nourriture est gaspillée à grande échelle, tandis que d'autres meurent de faim, où les changements climatiques causés par nous, les compagnies et les systèmes que nous avons créés, qui tuent des espèces entières et menacent de tuer l'humanité. La résurrection de Christ dit non. La mort n'a plus de pouvoir. La résurrection du Christ nous dit « Prends courage! » L'amour de Dieu change le monde de manière incroyable. Mais comment maintenant? Par un miracle? Peut-être. Mais je crois que cette fois, nous sommes le miracle. Nous sommes le corps de Christ que Dieu veut ressusciter. Nous sommes le corps de Christ qui doit dire par nos vies que la mort n'a plus de pouvoir. Je pense que Pâques, la résurrection, est un appel de trompette qui demande à l'Église, au corps de Christ, aux disciples de Jésus, des actions incroyables. Des actions qui nous mettent au défi. Des actions qui suscitent le changement. Des actions qui nous parlent de la vie au-delà de la mort. Des actions qui disent au pouvoir en place, non, la mort n'a plus de pouvoir. La résurrection, pas seulement celle du Christ, mais celle du monde, est maintenant. C'est Pâques. C'est le jour des actions incroyable de Dieu et tous les disciples du Christ. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen.